Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Just Cause 3, épisode numéro 10. Alors aujourd'hui, on va essayer de s'attaquer à Quantum Dracon. J'espère que ça ira, malgré le fait que je n'ai plus mon lance-missile. Enfin, plutôt lance-roquette. Et que maintenant, j'ai un lance-grenade à la place. On verra si on va réussir à prendre la base. Alors, où était déjà? Ah bah, elle est là-bas. C'est pourquoi l'armée nous... C'est autant en fait. C'est parce qu'on est vachement mieux sapés. J'ai gardé de la famille. On occupe. Mon frère est dans l'armée du général. Il dit que sans pouvoir et sans ordre, on ne peut pas avoir. Je parle plus vraiment. Un jour, quand tout sera terminé, je m'achèterai des vignes et je ferai mon propre vin. C'était une tradition dans ma famille. J'ai déjà fait un tour au garage, j'ai ramené au régalisium dans les garages pour y faire vraiment cool. Et un hôtel de plus. Au QG. Ah, t'imagines même pas tout ce qu'on a trouvé de confisqué dans les commissariats la semaine dernière. On a commencé par partager les armes et les munitions et puis on a filé tout le reste. Ça c'est du canon. Intéressant. Bouge pas trop, j'ouvre le feu. Et au troisième. Roule tout droit. Proche de la cible. Ah.
Ma cible utilise une sorte de... Dans le mille. Et mille. Et voilà. Merci pour le tank. Merde. C'est bien. Thank you.
à personne. Dans ma gueule ça. Ok, merci. Oh, j'ai oublié quelque chose apparemment. Ah, c'est là.
Putain, fais chier. L'analyse de la centrale indique que son noyau est vulnérable. La construction n'a pas l'air très stable. Ça me semble être une assez bonne nouvelle, Dima. Donc, si je déstabilise le noyau... La base serait complètement détruite. Tiens. Mario, tu as fait passer les plans à Sheldon comme convenu? Oh, t'aurais dû voir ça. Sheldon, Eriko m'a demandé de te dire qu'on va attaquer la centrale. Juste pour info. Merci bien, mon pote. Super agent de contre-espionnage ultime, Mario Frego. Le général Di Ravello va lancer toute son armée contre nous. Une fois qu'on aura repoussé ces hommes, j'entrerai dans la centrale. Pile à l'heure. C'est parti. C'est super excitant. On peut enfin passer à l'attaque.
Non, putain. Les navires de ravitaillement rebelles doivent être escortés. Tu peux y aller? Ouais, je peux le seul, je prends un agent de chasse. Très très con. Ces navires de ravitaillement doivent atteindre la plage près de Vignaletta. Assure-toi qu'ils arrivent entiers.
Qu'est-ce qu'il me fait à chaque fois, lui, il est con. Accroche-toi! C'est quoi ça? J'y suis, Dima. Faut que je fasse quoi? Désactive la turbine de refroidissement pour descendre.
générateur. Tu comprends rien à sa vie. Et il continue de pêcher. Bon, on va rencontrer Rosa Manuela. C'est Rosa Manuela. Mais voilà, hé hey, viens faire un câlin à Mario. Ça en fait au moins un qui s'est levé du bon pied ce matin. C'est un jour historique pour Medici. Les rebelles ont gagné. Rosa Manuela peut enfin rentrer chez elle. Elle est juste en route, Mario. Di Ravello est encore là. Il a déjà essayé de la tuer, et ce sera pareil aujourd'hui. Tu me pourris mon groove. C'est Rosa Manuela, non? C'est Rosa Manuela. Oh, t'as dû lire son traité sur la complexité de l'élaboration d'une nation. Elle est vraiment brillante. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était au tout craché. J'ai hâte de la rencontrer, oui. Mais ça risque pas d'arriver si quelque chose arrive à cet avion. Est-ce qu'on a ses coordonnées? Je vais te les indiquer, et puis on se retrouve très vite. Allez, go! Protège-la! Rejoins l'avion de Rosa. Elle traverse une zone aérienne dangereuse.
Quelles sont vos intentions ? Nos intentions ? Empêcher les balles de Diramello de déchiqueter votre fuselage. Ici Rico Rodriguez, à votre service. Point de paradis. On ferait aussi bien d'en profiter. Un bug.
Plaisir, Madame la Présidente. Ah, Rico, en route. Les dirigeants rebelles attendent à la capitale. Vous pouvez m'y emmener ? Mauvaise idée, Madame la Présidente. Les hommes de Diravello vous y attendent. Je vous emmène à la planque des rebelles. On avisera une fois là-bas. Rosa Manuela, je suis votre plus grand fan. Je m'appelle bien Mario. Sûr, bien sûr, je connais le grand Mario Frego. Vraiment ? Merci pour tout ce que vous avez fait. Pour rendre sa liberté à Medici. Je vous aime. Je vous aime. C'était bizarre, non ? Mémorable. Et merde. Merci. Merci pour votre courage. Votre pays vous doit beaucoup. Merci, mon ami. Merci beaucoup. Ah, Madame la Présidente. Oh, une présidente est élue par la volonté de son peuple. Moi, je ne suis qu'une fidèle citoyenne de Medici. Rosa suffit. Chaque jour, Diravello perd de sa puissance. Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Cet homme est un misérable lâche et un traître ! N'écoutez pas ce qu'elle dit ! J'ai déserté ! Je suis loyal ! Mensonge ! Cette pauvre vermine n'aurait pas le cran de déserter. Il a falsifié des preuves pour justifier le coup d'état de Diravello. S'il est ici, Diravello aussi. Co m'a demandé de te dire qu'on va attaquer la... Avec à la fois la maladie et l'antidote, on gagnerait bien plus. D'arriver si quelque chose arrive à cet avion. Diravello sait où vous êtes et il envoie une grosse armée pour vous buter. Alors c'est Zino la taupe. Tuons-le. Non. Enfermez-le. Il sera jugé pour ses nombreux crimes au cours d'un procès civil équitable. Il est temps de reconstruire une Medici juste, même pour cet homme. Il est peut-être temps que j'en apprenne un peu plus sur cette rébellion. Bon bah ce sera tout pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Quant à moi, Rosa pour... te cherche. Je crois que l'épisode suivant. D'y aller aussi vite que possible. Et je vous dis à la prochaine. Y a un problème ? Ciao. Pourquoi y'en aurait pas ? Elle veut te parler en personne, au cas où quelqu'un écoute. J'y vais tout de suite.